Laurent Anise a donné pouvoir à Madame Elamine. Monsieur Grégoire Maire a donné pouvoir à Madame Mercier. Monsieur Candelier Jean-Marc a donné pouvoir à Madame Boudraguin. Et Madame Doré Corinne a donné pouvoir à Monsieur Douez. Bonsoir à tous. Donc, on va désigner la secrétaire de séance Emmanuelle Barlet. Le secrétaire auxiliaire, M. Blandin. Je propose de rappeler. Alors, au niveau de la communication locale, dans le règlement du conseil municipal, on peut lire que toute personne peut enregistrer et retransmettre en ligne les débats du conseil municipal à condition de ne pas troubler l'ordre de l'Assemblée, de respecter le droit à l'image des personnes assistant aux séances publiques, de respecter la loi informatique et liberté, de déclarer le traitement en fait de la CNIL et de veiller à une durée de conservation des enregistrements adaptés à la finalité poursuivie. Exemple, établir un compte rendu. Si les élus ne peuvent pas s'opposer à être filmés et ou enregistrés, le droit à l'image du personnel municipal et du public assistant aux séances doit toutefois être respecté. Le maire ou l'élu désigné doit par conséquent rappeler ces règles en début de séance et prévenir l'enregistrement des personnes susceptibles d'être filmées. Ces règles de protection de l'image des personnes non élues doivent également être respectées par le public procédant à un enregistrement. En cas de retransmission, l'intégralité des débats doit être reprise. Merci. Donc, je vais énoncer les décisions qui ont été prises. Donc, le 24 septembre 2020, c'est la demande de retrait de non-opposition à la déclaration préalable, donc DP 062-037-20-404. Donc ça concerne le chalet de l'étang, hein, puisque à l'époque, il y avait par la municipalité précédente ce chalet où il avait été demandé un dépôt, enfin il avait été mis un dépôt préalable, une demande préalable, une déclaration préalable plutôt. Et donc, comme les normes exigent plutôt un permis de construire, donc on a enlevé la déclaration préalable et au moment de le mettre, on instruira un permis de construire. Et ensuite, le 9 octobre, demande de subvention dans le cadre du plan de relance de l'État et de la CUA. Donc, l'État et la CUA ont proposé d'aider certaines propositions. Certains projets, voilà, merci. Et donc, on en a mis trois dont on va parler ensuite. On ne sait pas hein, si on les fera ou pas, mais on a fait donc ces demandes de subvention, elles étaient à inscrire rapidement. Donc, voilà. Donc, pour le moment, il n'y a pas de réponse, mais on a quand même établi ces demandes. Donc, voilà pour les décisions. Au niveau de l'approbation du procès-verbal donc du dernier conseil municipal, je propose d'approuver le PV de séance du 22 septembre 2020. Donc, qui est contre ? 2, 3, 4. Avec les procurations. Avec les procurations. Qui s'abstient ?
C'est maintenant la parole à Monsieur Julien. Alors, donc, comme vous venez de souligner, trois dossiers sont présentés au titre du plan de relance de Beta et de la CUA. À ce titre, ils font bien inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de ces projets en cas d'accord de subvention. Donc, proposition de décision modificative, donc c'est la numéro 2. Donc, moins 111 000 au niveau de l'article 23-13. Sous-article, ensuite, bâtiment scolaire, donc plus de 32 000. Et sous-article, 21-318, autres bâtiments publics, plus 79 000 euros. Cela concerne donc l'amortisation au niveau de l'école maternelle pour le bâtiment scolaire. Et cela concerne pour les 79 000, la médiathèque et la salle des visites. Donc voilà. Il y a. Je vous propose de voter. Est-ce qu'il y en a qui sont qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Donc, deuxièmement, autorisation d'investissement par rapport à ces projets anticipés. Vu l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée délibérante peut autoriser l'exécutif, avant le vote du budget primitif, à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, dont compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc cela concerne donc les chapitres 20, 21 et 23, donc le quart, 25 000 euros concernant les mobilisations incorporelles. On avait prévu un budget de 25 000, donc ce qui nous fait 6 250. Ensuite, chapitre 21, immobilisation corporelle, 328 000 euros de quart, donc 82 000 euros. Et ensuite, chapitre 23, immobilisation en cours, 421 712 de quart, 105 428. Alors, là aussi, tous ces projets ne se feront que si, bien évidemment, nous avons les subventions qui sont prévues à une condition que les projets puissent être validés par la CUA. Donc, je vous propose de voter. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Je vous remercie. Troisièmement, remboursement du trop perçu par la CAREL. Certains élus de l'ancienne municipalité avaient décidé de cotiser auprès du régime de retraite complémentaire à la CAREL. Cette cotisation a été supportée pour moitié par l'élu et pour moitié par la collectivité. Les droits sont comptabilisés par la CAREL au trimestre de cotisation. Le second trimestre 2020 n'ayant pas été complet pour les anciens élus, la CAREL a procédé au remboursement des cotisations faites à la collectivité pour les élus non retraités. Cela concerne donc personnes. Alors aussi, il convient de reverser aux élus concernés les montants prélevés sur les indemnités d'avril et mai, à savoir donc pour M. David Heck, 228,18 € et pour Mme Stéphanie Boudraguin, 85,57 €. Je vous propose aussi de voter. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Merci. Tableau des effectifs. Donc, trois agents de la collectivité sont éligibles à un avancement de grade en 2021. Afin de promouvoir ces agents, il convient de modifier le tableau des effectifs comme suit. Donc, on va ouvrir un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe et fermer un poste d'adjoint administratif. Puis on va ouvrir deux postes de rédacteurs principaux seconde classe et fermer après nomination donc les deux postes de rédacteurs territoriaux. Donc ça, ce sont des avancements de grade. Ensuite, il est proposé d'ouvrir un poste en service civique pour l'animation de la médiathèque. Donc ça, c'est 24 heures semaine. Donc je vais vous rappeler un petit peu ce qu'est le service civique. Donc, c'est un engagement donc, qui est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Il s'agit d'un engagement volontaire d'une durée de 8 mois pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt général dans un des 9 domaines d'intervention reconnus prioritaires pour la nation.
Donc solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international, action humanitaire et intervention d'urgence. Donc ça donne lieu au versement d'une indemnité prise en charge par l'État et d'un soutien complémentaire qui, lui, dans le cadre de ce service civique qu'on a en médiathèque, sera pris en charge par la CUA. Donc il n'y a rien comme indemnité versée par la mairie, par la municipalité. Les missions donc proposées aux volontaires sont au sein donc des structures d'accueil, sont complémentaires de celles des salariés, des bénévoles, des stagiaires, et ne peuvent s'y substituer. Ça veut bien dire qu'on est dans l'accompagnement, on ne remplace pas. Et donc, elles permettent de proposer des actions socialement innovantes, de nouvelles façons d'intervenir au profit des bénéficiaires de l'organisme d'accueil. Donc, là, on a une convention donc à signer, c'est pour ça qu'on le met au niveau du tableau des effectifs. Vous avez pu voir dans le dernier, on en a parlé, donc qu'il y a des services civiques au niveau des personnes âgées pour continuer à entretenir un lien social avec ces personnes-là. Donc là, on n'a pas de convention à signer, puisque c'est la CEA qui a signé la convention et qui nous met à disposition ces personnes. Voilà. Vous avez des questions ? Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je laisse la parole à Valérie Mercier. Alors, dans un contexte d'évolution rapide des outils informatiques, les bibliothèques doivent évoluer. C'est pourquoi la médiathèque départementale propose la mise en œuvre d'une offre numérique dématérialisée par le déploiement d'une bibliothèque numérique en partenariat avec les bibliothèques relais de réseaux volontaires. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de contractualiser ce partenariat entre le département et la commune et d'autoriser Madame le maire à signer la convention en annexe. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Sixième point, changement d'adresse postale de la parcelle AI90. Le site de la salle Notre-Dame est édifié sur deux parcelles, AI89 et AI90. Le projet de construction du nouveau propriétaire situe l'entrée du nouveau bâtiment sur la parcelle AI90. Aussi, il est proposé au conseil municipal de modifier l'adresse postale de cette emprise pour la situer rue Jean Jaurès. La numérotation dans ce secteur étant problématique, l'adresse postale de la nouvelle construction sera le 250 rue Jean Jaurès à Anzin-Saint-Thomas. Les services postaux et fiscaux seront informés de cette modification. Ça a été aussi une demande de la part de l'association de défense de la salle Notre-Dame. Est-ce que vous avez des questions ? Sinon, est-ce qu'on procède au vote ? Est-ce qu'il y en a qui sont contre ? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent ? Merci. C'est pour qu'au niveau du repérage, Martine, sur les GPS, avec les numéros qui vont à l'envers. Oui, oui. Non, mais c'est pour que les personnes, quand elles vont noter sur le GPS, ça évite d'arriver rue Graff-Fauquemberg. Oui, ça c'est compréhensible. Parce que rue Clémenceau, qui sont quand même des rues étroites. Donc voilà, ça évitera d'avoir trop de circulation. Il y a un jour, on va pas repenser à refaire toute la rue. Hein. Voilà, un jour. Point 7, intégration de la commune d'Étrun dans le RAM et renouvellement de la convention cadre de l'entente intercommunale pour le relais de toute enfance, le RAMDAM. Les relais d'assistants maternels sont les lieux d'information, de rencontre et d'échange au service des parents, des assistantes maternelles et, le cas échéant, des professionnels de la garde d'enfants à domicile.
à leur création en 89, les relais d'assistantes maternelles portaient l'appellation RAM. Depuis, les RAM sont devenus les acteurs centraux de la petite enfance. C'est pourquoi la CAF a informé par courrier en date du 21 septembre 2020 que les RAM s'appellent maintenant relais de petite enfance, RPE. La mission du RPE s'inscrit en complément des missions du service du Conseil départemental de protection maternelle et infantile, agrément, formation initiale et suivi des assistants maternels. C'est un lieu d'écoute, d'accompagnement, de médiation et de professionnalisation destiné à tous les assistants maternels agréés par le service de PMI ou en cours d'agrément et à toutes les familles du territoire concerné. Le RAMDAM a été créé en 2008, dont la maîtrise d'ouvrage avait été confiée à la commune de Hac et depuis 2015 à la commune de Dainville. La commune de Dainville prend en charge l'ensemble des charges liées au fonctionnement du service et perçoit les participations des organismes associés. Les charges communes, tant en fonctionnement qu'en investissement de la MN, exception faite des travaux de bâtiment, sont réparties au prorata des populations légales communales. Sur CINSEE, hors population comptée à part, 1er janvier de la MN. La participation annuelle de chacune des communes est calculée, déduction faite de toutes les recettes liées à l'activité. Les moyens humains consacrés à l'activité du RPE sont constitués de deux agents statutaires à temps plein, animateurs du RPE. La commune de Dainville est employeur principal d'un agent, personnel communal affecté aux missions du RPE. La commune d'Ac met à la disposition de la commune de Dainville un second agent, personnel communal volontaire affecté aux missions du RPE. Depuis le 1er janvier 2017, 10 communes font partie de l'entente communale. Ac, Anzin, Basseux, Beaumé-les-Loges, Dainville, Écurie-Marreuil, Neuville-Saint-Va, Roquincourt et Sainte-Catherine. Une convention de commune de l'entente est définie notamment les moyens humains et matériels consacrés à l'activité du RPE. Les modalités de gouvernance et de gestion budgétaire doivent être établies. Elle a pris effet au 1er janvier 2016 pour une durée de 4 ans et prolongée d'une année jusqu'au 31 décembre 2020. Le RAMDAM a fait l'objet d'un renouvellement de projet de fonctionnement qui fera l'objet d'une commission CAF prévue le 7 décembre 2020. Les objectifs du RPE sont d'animer un lieu où les professionnels de l'accueil à domicile, enfants et parents se rencontrent, s'expriment et tissent des liens, de faire partager aux enfants des activités d'éveil qui les aideront à bien grandir, d'organiser un lieu d'information d'orientation et d'accès aux droits pour les parents, les professionnels et les candidats à l'agrément, de professionnaliser l'accueil individuel, de favoriser les échanges, sensibiliser aux besoins de formation, participer à la construction d'une identité professionnelle et de participer à une fonction d'observation des besoins d'accueil des jeunes enfants. Une nouvelle convention liant les communes de l'entente sur les mêmes bases que la précédente est établie, voire annexe. Elle prendra effet au 1er janvier 2021 pour une durée de 4 ans, ou au cas échéant, à la date préconisée par la CAF après le passage en commission. À l'issue de cette période, la convention se renouvellera par tacite reconduction, sauf dénonciation. Par ailleurs, la commune d'Étrins demande son intégration dans l'entente intercommunale du relais Petite Enfance au 1er janvier 2021. La commune d'Étrins a été associée aux réflexions et travaux préparatoires du nouveau projet de fonctionnement tout au long de l'année 2020. Considérant la prise en compte des attentes des familles et des assistants maternels, ainsi que les constats des partenaires institutionnels, CAF, MSA, Conseil départemental, qui ont amené les communes à élaborer un projet relais Petite Enfance conforme à leurs objectifs. Vu les dispositions des articles L5221-1 et L5221-2 du Code général des collectivités territoriales, qui disposent que les communes concernées peuvent mutualiser leurs moyens pour la mise en place d'un relais petite enfance itinérant notamment. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à l'intégration de la commune d'Étrins au sein de l'ensemble intercommunal, décide d'adhérer au nouveau projet de fonctionnement du RAMDAM, et autorise Madame le maire à signer la convention d'entente intercommunale annexée à la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Modification du règlement intérieur du Conseil municipal. Par courrier en date du 30 novembre 2020, la préfecture nous demande de préciser certains points du règlement intérieur du Conseil municipal voté le 22 septembre dernier. Ces modifications portent sur les articles 3, 9, 12, 16 et 17. Ainsi, il est proposé au Conseil municipal
d'approuver la nouvelle rédaction du règlement intérieur joint en annexe. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Allez, séance est levée.